Bonjour à tous, c'est Walembe 73 à la suite du tour de Warren Barguil et l'équipe Giant. Dans cette deuxième étape des Vosges, Gérard Mermelouz, avec le premier col en première catégorie de ce Tour de France. On va voir vraiment ce que vaut Barguil en montagne. Cette longue descente et ce plat de quasiment 20 km pour finir, qui risque de condamner les attaques, mais on va quand même le tenter avec oui, bon, on va essayer de faire un sprint intermédiaire avec Degen Kolb et ensuite jouer Warren Barguil. Et pourquoi pas glisser quelqu'un dans une échappée, Geschke, tiens, par exemple. Pas l'air très en forme quand même. Je prique 70 en vallon, Geschke 70 aussi, un peu mieux en montagne, 70 67 en endurance, 70 67. Bon, sur la forme du moment, c'est peut-être Je prique le mieux, donc on va envoyer Je prique en échappée. Du moins tenter de l'échapper. Parce que c'est pas forcément toujours gagné. Bon, c'est un peu plus facile après dans le Bonjour à tour, tous. quand on Les avance dans étapes le tour. prochaines présentent des arguments solides pour entamer les débats au plus haut niveau. Celle d'aujourd'hui, qui relie Gérardmer à Mulhouse, aura aussi le mérite d'ouvrir des perspectives aux montagnards. L'enchaînement des difficultés réparties sur tout le parcours exige autant de sens tactique que d'endurance physique. Allez Liam, laissez-moi partir s'il vous plaît. Allez, pas trop nombreux, comme ça on n'en parle plus. Bon, je pense qu'on peut essayer de tenter un coup pour le général aujourd'hui. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. Voilà, un petit groupe de 3 avec Backlands et Koenig. On signale une tentative de contre-attaque en tête du peloton. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et voilà. Le peloton préfère rouler pour reprendre du monde. Alors, en plus, il est tout seul, il peut barder. Cette étape commence fort. Les coureurs partent quasiment au pied du col de la Schlourte, classé en deuxième catégorie. Et ça, c'est un peu n'importe quoi quand même. À 3, le peloton laisse partir. À 4, il n'est pas d'accord. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai pas mes équipiers qui roulent quand même. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Ah, bah, bizarrement, depuis que j'ai dit ça, l'écart remonte. Hein. Oula, mais on y a du monde maintenant. Bardet, Anton, il n'y a pas un troisième. Si, c'est Taramae, qui est déjà bien cuit. Allez, une quarantaine de secondes, et ça augmente quand même. Donc le peloton va peut-être nous laisser partir. Oui, je crois que ça devrait le faire, mais par contre, je crois qu'il a du mal à suivre. On se crame là. Ouais, mais là c'est limité comme moyen pour attaquer avec Mathieu Sprick. Les prétendants au classement de la montagne ne devraient pas négliger une telle étape. Avec 24 points maximum à prendre, se lancer dans une échappée au long cours peut en valoir la chandelle. Donc c'est dur dur pour Sprick quand même. C'est vrai que là il roule à fond pour semer le peloton qui résiste. Bon, normalement dans un col, c'est quand même plus facile de s'échapper. Le peloton aussi devrait indiquer quand même bientôt. Pas plus de relais, tu vas désorganiser l'échappée et vous n'aurez aucune chance d'aller au bout. Ouais, j'ai déjà du mal à suivre, c'est pas pour prendre les relais là. Hein. Il y a déjà des lâchés en fin de peloton, ça va pas être une bonne journée pour eux. Oui, ça c'est sûr. Lâché au bout de 5 km. Bon, c'est pas terrible, hein. Je sens pas cette échappée. On a plus de 30 secondes. Et en effet, il y a déjà un groupe de 24 qui est lâché.
Ouais, c'est bien les gammes qui roulent. Enfin, je pense pas que ce soit Sprick qui va lui prendre. Ouais, c'est vrai que c'est pas Sprick, c'est le contre qui a posé problème avec Koenig. Taramae. Non, c'était Bardet, Anton et Taramae. Attention maintenant aux contre-attaques. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Allez, on va le tenter quand même. Non, bah non, je suis tout seul là, tu peux. Larson, c'est bon. Gris Feuillu qui tente sa chance. Attaque! Attention, il vise le maillot à poids. Ah, le Gris Feuillu, il le laisse partir, attaque. Lui par contre. Voilà, ça c'est bon ça. Riblon, Feuillu et Sprick. Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Ils vont sûrement essayer de te lâcher. Ouais, on vient d'être en échappé. Voilà, hein, s'il ne veut pas rater la bonne, c'est pour marquer les points du classement de la montagne. Allez, ça serait bien là, que ça ne contre pas. Et ça, Simon Gerrans qui contre. Pas tout de suite dans la descente après le sommet. Non. Certains pourraient en profiter pour tenter leur chance. Oui, bah c'est le cas. Par contre, il faut vite que ça descende parce que là, la barre commence à clignoter. Brice Feuillu qui ne veut pas collaborer. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, le peloton nous laisse. Par contre, la là, une descente serait la bienvenue. Deux points et un point au sommet. Ça a l'air bien parti. Vous allez passer la barre de la minute d'avance sur le peloton. En effet, je pense que là, c'est vraiment la bonne. Maintenant, il s'agit de récupérer de l'énergie. Et puis voilà, donc le peloton devrait rouler tranquille, il devrait y avoir un petit sprint pour Degenkolb. Oula, mais ça ne descend pas en fait. Pour Degenkolb, après les cols de deuxième catégorie, il va quand même falloir qu'il dépasse Degenkolb. Et ensuite, ça sera au tour de Warren Barguil de jouer sa carte. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Bon, on retrouve Degenkolb à 4 km du sprint. Un peloton assez groupé. Degenkolb mal placé. C'est normal, il y avait une petite bosse. Et là, ça va être quand même compliqué d'aller chercher des points, quoique. Un petit passage là sur la gauche. Oula! J'ai eu chaud là. Hein. Voilà, c'est bien placé Degenkolb. Dans la roue de Kittel. Les échappés, vous voyez, ont avec quasiment 11 minutes d'avance. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Maintenant, ils n'en ont plus que 9:30, mais ça devrait remonter rapidement. Degenkolb, il va être un peu court, Degenkolb. Ouh, c'est juste ça. Nouveau Christophe. Non, Greipel, pardon. Greipel, Cavendish, Christophe. Alors c'est le moment de ravitailler tout le monde, de prendre Warren Barguil. Par contre, faut pas que je ravitaille Sprick parce que j'ai oublié de le faire. Ah non, si je l'ai fait dans la descente d'un col, mais là ça va lui donner son jaune. Si je le, ça c'est l'erreur classique. Et donc Sprick, il a pris quand même quelques points. Il a gagné les deux sprints sur les deux deuxièmes catégories. Donc je ne sais pas si ça va suffire pour prendre le maillot à poids. On verra ça en fin d'étape. En tout cas, ils sont bien partis pour passer encore en tête du première catégorie. Donc c'est peut-être là que ça va se jouer avec ses compagnons d'échappée. Mais je serai peut-être plus occupé avec Barguil qui ne récupère pas son jaune. Là, c'est assez bizarre. Et on attaque l'ascension de ce col, le Markstein. Premier col en première catégorie de ce Tour de France Giant, oui. Bon, j'en ai refait un autre en parallèle là, comme il ne se passe pas grand chose, avec Tony Galopin,
Bon, moi j'ai gagné, hein. Là c'est tranquille, je pensais pas que ça serait si facile. Mais malgré 172 en montagne, il va quand même très bien en montagne, hein, galopin. Par exemple, il perd moins de 2 minutes sur Contador à Champs-Rousses. Devant, donc, c'est le mieux placé au général. Vu sa note de pavé, vous imaginez bien qu'il a géré tranquillement un petit quart d'heure d'avance après les 10 premières étapes. Et donc j'ai lancé le tour Bretagne séchée. Hein. J'ai choisi l'équipe, j'ai enregistré tout de suite. Donc il est prêt. Il est prêt, c'est Pulveda. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Mais bon, c'est Pulveda, il a des stats proches. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Proche de celle de Galopin, justement. Sauf qu'en pavé, il est mauvais. Et ça fait quand même une différence énorme. Bon. Personne ne fait rien dans ce col. Bon, c'est vrai qu'on est encore un petit peu loin du sommet. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Je vais repasser à Sprick pour gérer un petit peu. Pour le gérer un petit peu. Ouais, d'ailleurs, il commence à faire n'importe quoi. Donc l'écart avec le peloton augmente, c'est que ça n'attaque pas derrière, donc je peux garder mon coureur échappé. Tes adversaires aimeraient que tu prennes plus de relais. Ah bah oui, mais ça a l'air compliqué là de. D'ailleurs, Rimbon, il a bien vu que j'avais du mal. Les autres ne veulent plus rouler car tu ratonnes trop selon eux. De toute façon, on arrive dans le final. C'est plus le moment de collaborer. Oui, là, je prie que ça va être difficile là de finir le col. Sans se faire semer. Moi, je veux bien prendre un relais, mais j'arrive après déjà pas sommet, à rentrer. Il n'y aura pas de descente. Les coureurs enchaîneront directement avec la montée du grand ballon. Un col classé en troisième catégorie. Ah, c'est lui qui a l'air de vouloir attaquer, mais c'est pas tranchant hein, comme attaque. Alors, Ribon, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est de l'attaque de mec fatigué, ça. Et c'est le cas d'ailleurs, ils sont tous fatigués les trois. Mais après c'est la descente, hein, donc tout est envisageable. Sauf qu'il faut encore tenir, c'est 2-3 km. Barville, tout va bien. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Bon, Feuillu, de toute façon, dès le début de l'échappée, il ne voulait déjà pas collaborer. Hein. On considérait déjà que je ratonnais trop. Allez, Rimbon, je veux bien te relayer, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, et puis il y a le maillot à poids qui va se jouer sur, dans le kilomètre 4. Voilà, mais ça va être compliqué là. Pour Sprick. Ouais, je vais me contenter de 6 points. Parce qu'il n'y a pas de descente derrière, il faut que j'en garde un petit peu. Le Markstein rapporte des points aux 6 premiers coureurs qui franchissent son sommet. Le premier empochera 10 points. C'est peut-être Riblon qui sera maillot à poids. J'ai pas fait le total des 3, hein, je ne peux pas vous dire. Mais ça va être sérieux en tout cas entre les 3. Warren Barguil, ça n'attaque toujours pas. Bon bah là je prie qu'un, hein, si je fais la descente je peux vous donner une bonne avance, mais là je suis à peu près entre deux eaux. Bon, l'écart continue d'augmenter, donc c'est que ça ne roule toujours pas derrière. Et là je prie qu'il y a quand même 3,5 km à faire avec une barre très très faible. Feuillu qui est toujours pas content. Bon, bah derrière il se passe vraiment rien. Ah, je prie qu'il peut récupérer, mais bon, il a des sons pour récupérer. C'est peut-être eux qui sont mal là. Hein. Les équipiers contrôlent pour classement général.
Alors, Nibali qui se met à rouler peut-être. Ah oui, ça commence à descendre. Donc là, il faut que je prenne Barguil. On va le laisser se débrouiller. Mon équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Oui. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. C'est ça. Les Astana ont pris le commandement du peloton. Un petit peu de hors-terrain, de tout terrain. Chausser le VTT. Ça, ça marche bien. Remonter le peloton. Voilà, on est au sommet du Markstein. Il n'y a plus de difficultés répertoriées désormais, mais les coureurs devront rester vigilants car la descente comporte quelques virages piégeux. Ce serait quand même dommage de chuter si près de l'arrivée. Bon, bah, je prie qu'il a réussi à prendre un petit point quand même sur le dernier col. Il sera le nouveau maillot à poids. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Et voilà, ça sera Riblon, le maillot à poids. Ça ne sera pas Spric. Mais à mon avis, ça ne va pas se jouer à grand chose. Donc bah, ça n'a pas attaqué du tout dans ce cas-là, donc il n'y a pas eu l'occasion de faire de différence avec Barguil. On va essayer de faire la différence dans la descente, hein, du coup. Mais là, je vais reprendre Spric là, parce qu'il ne se passera rien dans la troisième catégorie. Donc là, c'est l'occasion pour Spric de prendre de l'avance. Le replat. Voilà, 30 secondes d'avance pour Spric. Par contre, l'écart redescend, donc j'ai un peu peur pour lancer le Bombardier, tout va bien. Là, je prie que je le crame, mais j'ai un ravito, une descente. Je vais essayer de maximiser l'écart là. Oula, mais il revient fort. Puis là, j'ai quand même plus grand chose à donner. Je sais pas si je prends mon ravito maintenant ou pas avec lui. Incessamment. Je vais essayer de la garder quand même. Je crois que c'est pas fini encore, hein. Ça ne descend pas vraiment tout de suite. C'est bon. Voilà, c'est parti. Donc j'ai pu garder mon ravito. Oh, 46 secondes. Là, ça y est, il craque derrière. Donc là, je pense qu'il va pouvoir avoir une belle avance. Mathieu Spric. Ce qui devrait être suffisant pour remporter l'étape. Hein. C'est... Oui, une 14, une 30. S'il ne fait pas n'importe quoi dans sa gestion de barre. Allez, on va prendre Barguil. Ah, qui est déjà dans la deuxième partie. On va essayer de grappiller quelque chose avec Barguil. De son échappée, c'est gagné. Je prie que 70%, ça me paraît bien, 70%. Ouais. 80 peut-être, ça devrait peut-être suffire. On va voir comment ça évolue. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés
Donc les Astana, ils ont mené toute la journée pour je sais pas quoi. Il y avait un service à rendre à Yam, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va tenter de grappiller quelques secondes avec Barguil. Ou alors je m'économise pour l'étape de la planche. Ça se discute. De toute façon, à mon avis, je ne pourrais pas leur prendre de temps là. À mon avis, tout seul contre le peloton de 123 pendant quasiment 20 km. C'est tout plat maintenant. L'échappée va sans doute aller au bout. Allez, ça commence là. On va quand même tenter de prendre une belle avance. Sauf que les Astana, peut-être la même idée. C'est pour ça qu'ils roulent pour la descente pour Nibali. Ça peut être intéressant par contre. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. Un équipier est tombé. On est trop près d'arriver pour l'aider. Une minute d'avance toujours pour Sprick. Le peloton a finalement été groupé, il n'y a pas eu trop de dégâts. Un équipier vient de se faire lâcher, ne comptez plus sur lui. Ah ouais, il a réussi à se faire lâcher dans la descente. Gêche-que. Donc là, on va gérer notre barre et on a une minute d'avance. Ouais. C'est impossible, à mon avis, de la conserver. Mais bon, c'est jamais, hein. Une chute, quelque chose. 94, est-ce qu'il n'y aura pas de surprise? Sorensen, Maika, Kreuziger, Nieve. Non, il n'y a jamais de surprise. De toute façon, c'est même pas la peine de regarder. Je crois que c'est jamais arrivé. C'est toujours les mêmes qui sont lâchés. Andy Schleck, Van den Broek, etc. Oula, je me crame. Mais il n'y a jamais un petit Contador ou un petit Nibali qui se retrouve dans un groupe à l'arrière. C'est dommage. Et je maintiens ma minute quand même. 1-0-2 même. Allez, de toute façon, maintenant je suis parti. Il reste 13 km. J'ai un ravito, je peux quand même y aller à fond. Parlant de ravito, je vais le filer à Sprick. Qui doit plus être très loin de l'arrivée. Ouh là là, il n'y a plus que 40 secondes là. Là, ils ont mis un gros coup d'accélérateur derrière. Est-ce qu'il y a un sprinter dans le... Oui, il y a la Kittel et des Gunpoil qui sont tous en peloton. Là, je vais arrêter, je crois que ça n'a plus... Ah mais non, c'est une minute d'avance que j'ai. J'ai pas tout compris là. En plus, il y a des... Il y a des coureurs qui lâchent encore. Allez, il reste 9 km. L'échappée, je sais pas ce qu'il devrait y arriver là. Il devrait atteindre l'arrivée là quand même, Mathieu Sprick. Oula, le peloton est très proche. Voilà, nous voilà à 30 secondes. Il est délâché. Tony Martin, incroyable. Ivan Basso. Non, il n'y a pas de quoi rouler. Alors, ils viennent ou ils viennent pas?
68, ça n'arrête pas de lâcher. J'ai continué, alors du coup, on ne sait jamais. C'est pas pour 6 km, hein, de toute façon. Ouais, 30 secondes, ils sont plus que 48. Bah, peut-être qu'ils vont lâcher après, on va voir. Bon, ça m'étonnerait que les favoris lâchent, mais vu que ça n'arrive jamais. Mais c'est le jeu là quand même. Et je prie qu'il est toujours pas aussi, je prie qu'il est forcément arrivé là. Sauf qu'on l'a pas vu. Sauf que là j'ai mal géré mon énergie quand même. Est-ce qu'il va conserver une bricole Warren Barguil? Non, parce que j'ai très très mal géré ma barre, donc je ne pouvais même pas sprinter. Oh, il passe maintenant à l'offensive. C'est Pulveda qui passe à l'offensive. C'est dommage que j'ai mal géré parce que j'aurais pu garder quand même une bricole. Mais c'est Kittel qui va prendre des points avec Degenkolb et Barguil. Donc voilà, victoire de Mathieu Sprick. J'aurais pas cru en début d'étape qu'il arriverait à résister. Et on a quand même 6 Giants dans les 10 premiers. Avec quand même des petits écarts. Il y a... Non, puisque Rodriguez, Contador et Valverde sont là. Il y a juste Rui Costa qui perd 14 secondes. Tout comme Froome, Mollema et Voeckler. Ah si, Nibali quand même, 9-0-3. Nibali qui perd 40 secondes. Bon, ça valait le coup quand même hein, de continuer finalement. Juste pour ces 40 secondes sur Nibali, c'était pas inutile. Donc au général, on a Barguil, bah, toujours avec le même écart avec Chavanel, toujours le même écart avec Contador, pas beaucoup de changements dans ce classement général. Même voilà, quelques secondes par-ci par-là, Nibali qui recule 8e du coup. Les poids, ah oui, bah, Sprick qui perdent un petit point. Finalement, il était important ce dernier sprint avec les deux points à Riblon et le petit point à Sprick. Le sprint que je n'ai pas fait et ça coûte ce maillot à poids. Bon, je ne sais pas si j'aurais pu le gagner de toute façon. Quitter le Degenkolb qui conforte encore leur avance. Deux petits points d'écart cette fois-ci. Donc Barguil évidemment en blanc. Degenkolb du Moulin qui sont pas mal hein, dans ce classement. Mais bon, ça va pas durer, évidemment. Giant qui se replace au classement par équipe. Et Amador, toujours leader des combatifs. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette étape. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et bonne journée, ciao ciao.